Vous avez bien compris. Bon, écoutez, c'est une question stupide. Je ne sais pas s'il y a un fax ici. Non, Nicole est officiellement en vacances jusqu'à la semaine prochaine. Alors, bye bye. Allez, viens, on va s'amuser. De réflexion. Ouais. Oui. Exact, t'as encore le droit de t'échapper. Oh, ça risque pas d'arriver. Ce dont je suis sûre, c'est qu'en ce moment, je ne voudrais être nulle part ailleurs qu'ici avec mes copines. Oh. C'est vrai, regardez ce paradis. D'accord. Oh, c'est splendide. Et vous reconnaîtrez que j'ai assuré avec ma relation qui nous a eu les chambres pour la moitié du prix, hein? Qu'est-ce que tu veux dire qu'on est là grâce à ce producteur qui a flashé sur toi et qui veut faire de toi une star? Non, chérie, pas lui. Non, il s'agit d'une autre relation. Oh, oh, alors ok, aux incroyables relations de Regan et à toutes mesdemoiselles d'honneur. Ouais. Santé.
La dernière fois qu'on a réussi à se retrouver tout ensemble, c'était pour ton mariage. Oh, ça fait combien de temps? Ça fait bien 3 ans. On s'est mariés juste après avoir quitté la fac. Ah, ouais. Déjà, j'ai du mal à le croire. Et j'ai l'impression que ça fait encore plus longtemps. Commence pas. Moi, je plaisante. Oh, Lynette, et qu'est-ce qu'il fait ton mari? Il termine ses études de dentiste. Ils se sont rencontrés au lycée et depuis, ils sont toujours ensemble. De vraies âmes sœurs, trop mignons. Moi, je cherche pas l'âme sœur. Tout ce que je veux, c'est un gars qui n'a ni une mauvaise réputation, ni une allergie rédhibitoire à la paternité. Ça me suffira, toi. Oh, quand on rentrera à Miami, je te présenterai un ami à moi. Oh, quand elle dit présenter un ami, fiche le camp. Le dernier gars avec lequel Regan m'a branché, je l'ai retrouvé le lendemain matin en caleçon en train de récurer la salle de bain avec sa brosse à dents. Oh. Je blague pas, c'était dégoûtant. Oh, arrêtez votre cirque. Au moins, il avait une brosse à dents. Pour garder le côté positif. Oh non. Arrête. Ça, c'est du Regan tout craché. La seule ombre au tableau, c'est qu'on ne puisse pas partager ces instants avec mon autre demoiselle d'honneur. Oh. Évidemment, elle ne pense qu'à une chose, grimper dans la hiérarchie. Ah oui, Danielle, celle qui travaille dans la banque, c'est ça? Oui, on se connaît depuis la 5e et je sais qu'elle aurait bien aimé être avec nous, mais elle a quelque chose de très important dans son boulot, alors je lui ai dit que je lui pardonnerais si elle promettait de ne pas rater mon... De ne pas rater ton mariage. Il va être unique. Oh, on lui téléphone? Encore des chiffres. Encore des zéros par millier. On n'est jamais trop pointilleux. Ça, c'est moi. Pointilleuse à l'excès. C'est un marché de 90 millions de dollars qui repose totalement sur votre exposé. Pas de pression, ok? Pour être un vrai boss, que la pression soit ta meilleure amie. Pression, meilleure amie. Merci, Miles. Dans la série des Daiquiri, t'en es à combien? Salut, bébé! Salut! Hey! Laissez-la parler. J'en suis à mon 3e Daiquiri et le soleil n'est pas encore couché. Karina, ralentis un peu la cadence. Oh, j'aimerais tellement que tu sois là. C'est un endroit de rêve. On va éviter la torture? C'est si beau que ça. Ouais. T'as certainement un appareil photo. Et si tu m'en envoyais quelques-unes par mail? Ouais, ok. Ok, hé, les filles, on va faire une photo pour Danielle, d'accord? Quoi? Attends, une minute avec les cocktails, les cocktails. Oui, les bonnes nouvelles. Oh, oui. Cheese. Tu sais, je t'ai envoyé une carte postale, j'espère que ça va pas te rendre triste. Non, au contraire, c'est génial. À qui le tour? Lynette, à toi, vas-y. Passe. Ah, on est là pour boire, là, j'ai le téléphone. Allô, salut, c'est Lynette. Salut, alors, comment ça va? Ah, moi aussi, ma beauté, j'ai une petite question. Salut Isa. Salut Isa. À vous, il pleut et il fait très froid à New York. Reste pas là-bas, saute dans un avion. Ah ça, sauter dans un avion. Si je pouvais, je le ferais. Oh, en tout cas, tu nous manques. Bah, aïe. Chérie, te tue pas à la tâche. Je tiens à t'avoir en forme pour mon mariage. T'inquiète, avoir la forme, ce sera pas un problème. J'ai vraiment hâte de sortir d'ici et de vous retrouver. En tout cas, on sait que t'es avec nous en pensée, hein. Karina, évite les excès, chérie. Les excès? Oh, j'ai mes 4 autres meilleurs amis qui sont là pour veiller sur moi. Oui, c'est justement ce qui me fait peur. Écoute, faut que je raccroche, mais je te rappelle plus tard. Ok, bye bye. 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 Vous ne trouvez pas que Sam est un gars adorable? Oui, dommage qu'il soit aussi fauché. Regan? Quoi? C'est la vérité, il joue de la guitare dans un bar pour gagner sa vie. Ah, et alors? Si Karina l'aime. Il y en a combien qui réussissent en écrivant des chansons? C'est elle qui fera bouillir la marmite. Et alors, elle sait ce qu'elle fait? Je préfère la savoir avec lui qu'avec vous savez qui. Anthony? Ils étaient trop jeunes. Je préférerais être pauvre plutôt que de vivre avec un cinglé comme Anthony. Sam peut très bien réussir. Vous avez déjà écouté ce qu'il fait. Sa musique est vraiment bonne. Ok, imaginons qu'il continue à végéter. Sommes-nous persuadés que Karina va accepter de tirer le diable par la queue avec le sourire pour le restant de ses jours? Non. Bon, en tout cas, ils ne démarreront pas sans le sou. Oh non. Ça va, les filles? Ah, salut. Oh non, arrêtez, je vous connais. Est-ce que vous parliez de moi? Nous? Non. On discutait. Rien de plus. À propos de quoi? Son masque à l'aloe vera. Ah. Comment c'était ton massage? Tout simplement délicieux. J'essaierai. Et maintenant? Maintenant, il est l'heure d'aller se préparer pour une soirée palpitante arrosée de cocktails en tout genre. Oh, je te fais confiance. D'accord, mais pendant que vous êtes encore lucide, petit rappel, demain matin, rendez-vous sur le port à 10h30.
Vous pouvez m'expliquer pourquoi il faut qu'on aille sur une autre île alors qu'on a une plage magnifique juste là qui nous attend? Il se trouve que j'ai fait ma petite enquête et qu'en plus d'être spectaculaire, les plages sont toutes désertes. No bikini. Pas d'homme d'affaires à Dipe ou d'Apollon sans cervelle qui voudront nous inviter? Les Apollons, j'aime bien. Tu aimes tous les mecs? Et tous les mecs t'aiment comme des fous. Ah ouais. Si j'ai bien compris, on y va. Ouais. Oui, mon cœur. Allez, dis oui. Ça va être super. Fais-moi confiance. Ok, eh bien, je me soumets. Crois-moi, voilà. Tu ne vas pas le regretter. Ah, oh, quelle odeur. C'est la cuisine. Alors, il faut qu'on trouve la Bonita. Le voilà, la Bonita. Ah. Oh, Isa, t'es vraiment dingue. Ça va être marrant. Je vais juste appeler Sam une seconde. D'accord, vas-y. Une seconde. C'est quoi comme bateau? Une barque? Ouais, c'est une barque. Oh, moi, je rame pas. Hein. Salut, c'est Sam. Si c'est toi, Karina, j'espère que tu as trouvé les paroles de la chanson que j'ai glissée dans ta poche. Et au fait, si on se mariait... Oui, c'est moi. Oui, oui, j'ai eu les paroles et je les trouve vraiment superbes. Merci. Ici, on passe du bon temps, mais tu me manques beaucoup. Et franchement, j'aimerais que tu sois là. J'ai hâte de me marier avec toi et de passer ma vie avec toi. On s'amuse comme des petites folles et on fait une sacrée équipe. Karina ! Oh, je dois y aller. Mais je t'aime et je te verrai dimanche soir. À plus, chérie. J'arrive, les filles ! C'est lui, le gondolier ? Il est plutôt beau gosse. Youhou, on est arrivé, youhou ! Youhou ! Je crois pas qu'il parle, le youhou. Signa ? Bonjour. Est-ce que vous êtes... Santiago. On est vos passagères. Vous pouvez prendre nos bagages ? Il veut pas. Oh. D'accord. Ouais, on y va. Oh. Oula, oula, oula. Te casse pas. Pourquoi on l'appelle la Madone des cavernes? C'est super joli. C'est parce qu'il y a beaucoup de cavernes. D'après Internet, les pirates y faisaient leurs petites affaires il y a très longtemps. Alors on va trouver un gros trésor? On va trouver Johnny Depp. Je crois que Karina apprécierait plus le gros trésor. Ça, c'est sûr. Arrivamos. On est arrivé. T'es sûr? D'accord. Bah alors allons-y. Bon, bah on va se mouiller. La première qui trouve un trésor... Le garde. Ah oui? Eh ben oui, c'est comme ça, c'est le jeu. Qui c'est qui a eu l'idée merveilleuse de venir ici? Il paraît qu'il y a un squelette de femme. Une femme pirate? Il paraît, oui. Avec un poignard dans le thorax. Wow, sympa. Et c'est devenu le fantôme de l'île, maintenant? C'est ce que dit la légende. Arrêtez, vous me fichez la trouille. La mujer de la cueva busca su venganza y no descansará hasta que lo consiga. Et il a dit quoi, là? Il a dit que la femme de la caverne va vouloir se venger à fond la caisse. Nosotras no creemos en fantasmas. Et toi, t'as dit quoi? Qu'on croit pas aux fantômes. Un petit coup de main? Ouais. Assieds-toi et balance les jambes. Vous revenez vers 5 heures? 5 en punto. 5 heures pile, d'accord. Gracias. Au revoir, beau gosse. Oh, enfin la plage. Ah, le sable est tout chaud. Ouais, un vrai paradis. Ah, c'est trop beau. Oh, là-bas, c'est joli, c'est vraiment très très joli si on y allait. Alors, qui veut partir à la chasse au trésor, les filles? Moi d'abord. Oh, mais une île, c'est une bonne idée. Ouais, avec la végétation, tout ça. Je vous avais dit que c'était paradisiaque. Et le sable et le ciel, c'est magnifique. C'est ici que je veux construire la petite cabane de mes rêves. Où tu pourras inviter Tarzan et Jane à dîner. Si Tarzan se pointe, il est à moi. Toi, tu vas te marier. Hé, je suis pas d'accord. T'aimes pas les gars trop musclés, toi.
Il n'y a que les idiotes qui ne changent pas d'avis. Les idiotes, hein? C'est un endroit parfait pour faire mon yoga. Ou encore pour te faire masser. Ça, c'est rigolo. Ça, c'est une fête qu'on avait fait avec les copines. On s'était éclatés. C'était génial. C'est qui le type avec Karina? C'est Anthony, un vieux pote d'université. Anthony. Le pauvre garçon est mal barré. Chaque histoire d'amour est unique. Celle avec Anthony a été plutôt chaude. Ouais, Karina aurait dit explosive. Certaines filles adorent qu'on s'occupe d'elles. Il n'y a pas de couteau à pain. Ah oui, ils ont dit qu'il n'y avait que des couteaux à viande. Ah. Karina prétend que leur rupture a été plutôt sanglante. Ouais. Son mec nous a beaucoup reproché, en fait, d'avoir empoisonné son esprit. Mais on voyait qu'elle n'était pas heureuse avec lui. Ouais, elle sera sûrement plus heureuse avec Sam. Tu l'as dit. Et surtout très heureuse quand ce week-end sera terminé. Oh, les filles, regardez ça! On dirait un escalier. Ça alors, ils peuvent bien mener ces marches. Vous croyez que quelqu'un habite là? Ou quelqu'un y a habité. Oh, ça me donne la chair de poule. Waouh, c'est chouette. Ça, ça fait sûrement être le salon. Et c'est à ciel ouvert. Pourquoi les gens sont partis? Peut-être qu'ils ont eu peur du fantôme de la femme pirate. Bien sûr. C'est fascinant. Quel merveilleux site. Oh, mais qu'est-ce que tu fabriques, Regan? Mon corps a soif. C'est de l'eau minérale. Oh, on a une autre bouteille. Et puis, je peux pas survivre sous le soleil sans humidité. Oh. Salut, les filles. Salut. Il vous est arrivé des aventures? On a trouvé une magnifique maison en plein milieu de la jungle. Ah ouais? Ouais. Il manque juste les fenêtres, la porte et le toit. Allez, j'ai faim. Est-ce qu'il reste du saumon? Moi aussi j'ai faim. On déjeune? Oh, je me sens comme une crevette sur un barbecue. Oh, dis donc, Lynette, j'adore ta bague. T'as bon goût. C'est moi qui l'ai faite. Combien de carats? M'en souviens plus. Frimeuse. Lynette, ta bague n'est sûrement pas plus grosse que la mienne. Enfin, tu sais, pour les bagues de fiançailles, c'est pas la taille qui compte. C'est toujours important, la taille. il est presque 5 heures, c'est bientôt l'heure de rentrer à l'hôtel. C'est bon, le gondolier va nous repérer facilement. Oui, mais je voudrais pas qu'il nous rate et qu'il parte nous chercher ailleurs. Karina a raison, faut y aller. On y va. Allez. Je veux pas y aller. T'as une tête de mule, toi. Ouais. Quelle heure il est? 5h20. Il avait dit 5h pile. Peut-être qu'il n'avait plus de carburant. Il va venir. Oh, je crois que j'ai besoin d'aspirine. Oh, moi, j'ai l'impression d'avoir dormi dans un sauna. C'est vrai qu'on a un peu abusé du soleil. Mince. Qu'est-ce qu'il fait, ce gondolier? Eh, mais peut-être qu'il lui est arrivé quelque chose. J'ai même pas son numéro de portable. Oh, vous vous relaxez, les filles. Il va venir. Qu'est-ce que t'en sais, Isabelle? On est peut-être bloqués ici jusqu'à la fin de nos jours. Regan, tais-toi. J'ai besoin de parler quand je m'inquiète et quand je réfléchis. Ça va te calmer, nous aussi. Je le savais. Je savais que j'aurais dû prendre plus de vin. Génial. Il n'y a plus de nourriture et il reste une seule bouteille d'eau. Calmez-vous, les filles. Ce gars va venir nous chercher, d'accord? Tu l'as payé d'avance, Isa? Bah, j'ai fait comme il m'avait dit. Magnifique. C'est pas vrai. Je viens de réaliser. Est-ce que quelqu'un sait que nous sommes là? Génial. Oh. Formidable. Ah, on est fichus. Ah, c'est un ridicule.
C'est pour ça que j'ai besoin d'une secrétaire, pour les problèmes d'intendance. Pleurnichez si vous voulez, ça ne changera rien. Je pleurniche si j'ai envie de pleurnicher. Tête de linotte. Les filles, le gondolier va revenir, on l'a payé pour ouais, ça. En attendant, la nuit va tomber, nous n'avons pas d'abri. Ouais, il faut rester ici, si le gondolier vient nous prendre, on a intérêt à être repérable. Je vois un gros problème. Bah non, pas si on reste sur nos serviettes. Non, c'est pas ça, regarde un peu ce qui se prépare là-bas. Ça se couvre, faut trouver un abri. Cette île est déserte, t'as une idée? Moi, j'ai une idée. On pourrait aller dans la maison qu'on a vue tout à l'heure. Celle qui a pas de toit. Elle est très bien, cette maison. En tout cas, c'est mieux que rien, non? Vous saurez la retrouver? Oui, je crois que oui. Mais oui, allez, on y va. Quel bel optimisme, les filles. On peut relâcher la pression. La présentation est reportée à dans 2 semaines, alors. Sois relax. Tu reprendras ça lundi, d'accord? Cindy, prends-moi un billet pour le prochain vol vers San Carlos. Alors? Ça vous plaît? C'est pas un 5 étoiles, hein? Non, mais ça va le faire. Faudrait ramener Lynette et Regan avant que la nuit tombe. Ouais, Regan est pas trop emballée par une aventure dans les îles. Je sais, Regan est une chachate. On pourrait allumer un feu pour éloigner les animaux. D'accord, bonne idée. Tu vas les chercher, nous on va trouver du bois et creuser un trou. D'accord? Ouais, ouais, d'accord. Je ramènerai Regan même si je dois la traîner par les cheveux. Courage. Bonne chance. À tout de suite. On y va. Écoute-moi, pendant combien de temps est-ce qu'on va devoir supporter ça? Mais tu sais très bien de quoi je veux parler. J'en sais rien. Les filles? Chut. Hé, hey. On a trouvé un abri idéal pour la nuit. Alors, le gondolier revient. Il nous trouve pas, on a disparu, donc il est normal qu'il s'affole. Il en parle à personne, parce qu'il a trop peur d'être viré. Écoute, il reviendra pas avant la nuit. Et s'il y a de l'orage, on va être trempés. Allez, viens, c'est comme si on était chez les scouts. Ah, j'ai jamais été chez les scouts. Bon, ma petite Regan, on se retrouve demain matin. On y va. Ciao. Ciao. Les filles, attendez, j'ai changé d'avis. Je peux avoir une cigarette? C'est la dernière. Ah, oh, sympa. Je savais pas que tu fumais. Je suis nerveuse. J'espère que l'hôtel va garder nos chambres. Si on passe une nuit de plus ici, je vais flipper. Je suis sûre que le gondolier a sifflé trop d'alcool et qu'il va se réveiller demain avec la gueule de bois et revenir nous chercher. Et il va nous rembourser son salaire, hein? Oh, du calme sur la bouteille, c'est la seule eau qui nous reste. Pourquoi tu me regardes? Pourquoi est-ce qu'elle me regarde? Parce que t'as gaspillé toute seule la dernière bouteille d'eau. Lynette a fini toute la bouffe et vous lui avez rien dit. C'est n'importe quoi. Tu pètes les plombs, Regan, alors saute dans la mer pour te rafraîchir la cervelle. Et toi, t'aurais pu pêcher du poisson pour le dîner. Quoi? Ah, c'est très drôle. Allez, allez, les filles, on est dans la même galère. Les filles, j'aimerais bien qu'on rame ensemble. Hé, hey, c'est ma soirée de célibataire. Et où est mon strip-teaser? Il doit bien y avoir un homme dans la jungle qui va venir se déshabiller. Écoutez, j'ai entendu un bruit. Mais qu'est-ce que tu crois? On est dans la jungle. Ça va aller? Oui. C'est une lettre de Sam. Il l'a glissée dans ma poche avant que je parte. Il t'a écrit une lettre d'amour? Oh, c'est tellement adorable. Oui, en fait, c'est une chanson qu'il a écrite pour notre mariage. Tu vas nous la lire? D'accord. L'amour que je ressens pour toi est si grand que mon cœur bat très fort et que mes mains tremblent. Les paroles de bonheur que nous avons prononcées se doivent aujourd'hui d'être à jamais gravées. Ceci est notre histoire.
Merveilleuse rencontre et promesse d'avenir. L'histoire d'un amour qui ne va jamais mourir. Un amour éternel et sublime qui s'envole par-delà les abîmes. Que le monde soit témoin de mon doux sentiment pour la femme que j'adore, que j'admire et que je chéris tendrement. Parce que je sais que notre amour ne s'éteindra jamais. Je t'aime, Sam. Oh, il va chanter cette chanson à l'église. Ils vont tous pleurer comme des enfants. Vous devriez écouter la musique. C'est la meilleure qu'il ait faite. À l'église, les filles vont pleurer comme des madeleines. Vous avez invité combien de personnes? Une centaine. On en voulait 300, mais c'était un peu cher, alors... Elle travaille pour toi. Tu pourrais peut-être l'augmenter. Elle a déjà un très bon salaire. Écoutez, encore ce bruit bizarre. Ça suffit, Regan. Vous avez pas entendu? C'est comme le bruit d'un ours ou d'un léopard. Il n'y a pas d'ours ou de léopard dans les Caraïbes. C'est peut-être un rat géant. Linette. Belle journée, hein? Oui, pourvu que ça dure. Ouais, l'aventure continue. Où est Linette? Oh, j'en sais rien, elle était debout avant moi. Elle a dû aller se promener. Ah, oh, j'espérais que tout ça n'était qu'un cauchemar. Pourvu que la barque soit revenue. Ouais, il faudrait aller vérifier. Allons sur la plage, les filles. Oui, Linette y est peut-être déjà. Je m'occupe de ses affaires, d'accord? Ouais. C'est mieux que dans un palace. Oh, c'est l'heure du massage. Bonjour, petit déjeuner. Bonjour. Pas tout de suite. Non, en fait, je cherche des amis à moi. 5 jeunes femmes assez jolies. La troupe des célibataires. Ouais, elles sont là? Non, pas ce matin. Elles étaient là hier. C'est une joyeuse troupe. Ouais, elles sont très drôles. Vous les avez pas vues aujourd'hui? Non, pas encore. Peut-être qu'elles se sont couchées tard. Ouais, ça doit être ça. D'accord, merci beaucoup. Bonne journée. Vous aussi. Oh, un peu de vent, ça fait du bien. Ouais, c'est vraiment le temps idéal pour les cheveux. Quel merveilleux week-end, les filles, on s'en souviendra. T'as raison. Ah, oh, et la barque n'est pas là. Non. Et Linette non plus. Elle est peut-être allée se promener sur une autre plage. Pourquoi faire? Pour qu'on la voie mieux, peut-être, je sais pas. J'espère qu'elle a pas emporté l'eau, je meurs de soif. Linette est sûrement quelque part, d'accord? Le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas de barque. Où il est, ce gondolier? Franchement, il mérite bien qu'on le traîne en justice. «
Ça ne répond pas dans leur chambre. Vous êtes allé voir au restaurant? Oui, oui. Apparemment, l'hôtesse ne les a pas vus depuis hier. Si vous me donnez le numéro de chambre de Karina, je pourrais aller l'attendre. Désolé, je ne donne pas ce genre d'informations. Mais je viens de faire 2000 kilomètres. J'en suis désolée pour vous. C'est ma meilleure amie. Soyez gentil. Je suis inquiète. Faut qu'on essaie de trouver Lynette. Je bouge pas de cette plage. Et quand la barque reviendra, si elle revient, je serai restée ici à l'attendre. Écoute, c'est pas son genre de disparaître comme ça. Karina a raison. Vous allez chercher Lynette, nous on l'attend ici. Vaut mieux que personne reste seul. Ça, c'est une idée. D'accord. C'était bizarre. Nicole me regardait même pas dans les yeux. Elle est morte de trouille. On est toutes mortes de trouille. Elle s'inquiète même pas pour Lynette. T'inquiète pas pour elle, Karina. On va la retrouver. Il y aura des trucs à raconter le jour du mariage. Bonjour, madame. Je vais déposer quelques affaires. D'accord. Vous avez déjà fait cette chambre? Non, señorita. Vraiment à être inquiète. À ton avis, qu'est-ce qui lui est arrivé? J'en ai aucune idée, mais il faut s'attendre au pire. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va retourner sur la plage, retrouver Regan et Nicole. À nous quatre, on sera plus efficaces dans les recherches. Dis, tu crois qu'on va la retrouver? Ouais, on va la retrouver. Il faut surtout pas perdre espoir. Lynette! Lynette! Attends, où est-ce que tu vas? Elles n'ont pas dormi dans leur chambre. C'est une troupe de célibataires en vacances. Peut-être qu'elles se sont fait des amies. Quoi, toutes les cinq? Elles sont peut-être sorties de la ville pour aller passer la nuit ailleurs. J'ai trouvé les clés de leur voiture de location. Elles se déplacent comment? Écoutez, ces filles sont venues se dorer au soleil et boire des daiquiri toute la journée. Mais qu'est-ce que je peux faire pour vous? Sérieusement? Mm-hmm. J'aimerais que vous me preniez un peu plus au sérieux. 5 jeunes filles ont disparu de votre hôtel. On ne les a pas vues depuis 24 heures. Excusez-moi, vous avez un appel urgent. Excusez-moi, je dois répondre au téléphone. Ça ne lui ressemble pas. Elle n'a pas l'habitude de disparaître dans la nature. Que je te dis, elle est peut-être retournée dans la maison ou elle est en train d'explorer la jungle comme nous et... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Regarde. Il y a quelqu'un. Hé! Hey! Attendez! Revenez! Karina, attends-moi! Attends-moi! Je veux seulement vous parler! Hé! Il a disparu! Tu as vu quelqu'un, tu en es sûre? Oui. Et c'était pas Lynette. C'est peut-être un autre touriste. J'en sais rien. Mais pourquoi il s'est enfui? Regarde ça. En tout cas... Ça, c'est pas les empreintes de Lynette. Excusez-moi, madame. Je crois que je peux vous aider. Vous êtes sûre que la directrice ne va pas avoir d'ennui? Oh, certainement pas. Cette femme n'a eu le job que parce que l'hôtel appartient à son oncle. C'est une idiote.
Moi, j'ai compris votre problème. Nous allons regarder les bornes. Je regarde quel écran? C'est vous qui allez me le dire. Oh, les voilà! Vous pouvez remonter et mettre sur pause. Bien sûr. Là, arrêtez. On dirait qu'elles vont en pique-nique. Elles ont du vin, des sacs, des serviettes et tout ça. Vous savez, des tonnes de touristes vont visiter les îles. Quelles îles? C'est sur nos îles qu'on trouve les plus belles plages du monde. Et comment je fais pour y aller? Et du coup, j'ai expliqué aux photographes que c'était vraiment beaucoup d'entretien. J'ai vu quelqu'un dans la jungle. Quoi? Un homme. Vous lui avez demandé s'il avait un bateau? Il s'est enfui avant que je puisse le rattraper. Et toi aussi, tu l'as vu? Non. T'as vu ses empreintes de pied? Bon, d'accord. Alors, Lynette a disparu et maintenant il y a quelqu'un dans la jungle. C'est ça? C'est génial. Ça peut pas être pire. Je veux partir d'ici, j'ai peur! Je vais m'en occuper. Regan, ma chérie, arrête ton cirque, d'accord? Karina, notre copine a disparu. On est planté dans ce stupide endroit et il y a un type inconnu qui rôde dans cette jungle débile. Tu as raison. C'est pour ça que la meilleure chose à faire, c'est de rester calme pour qu'on arrive à sortir d'ici. Oh, je suis dégoûtée, mais pourquoi est-ce qu'on est venu sur cette île? Pour mon mariage, tu te souviens? Ouais. Écoute, je te promets que dans une semaine, on sera toutes en robe de soirée et qu'on rigolera de tout ça et ce sera toi la plus jolie. Ça va? Elle a connu des jours meilleurs. Mon prof de théâtre dit que les mauvaises expériences, et celle-là est mauvaise, sont les plus riches à utiliser. Voilà une parole de sage. Ça va aller. Ouais, Isabelle? Elle est partie pour essayer de trouver Lynette. Tu l'as laissée seule? J'ai pas réussi à l'en empêcher. Bon, à partir de maintenant, on reste toujours ensemble, d'accord? Allez, venez, on va la chercher. Je retourne pas là-bas. Je crois qu'on a plutôt intérêt à rester ici, comme ça on diminue les risques. Ouais. Écoutez, il faut absolument qu'on la retrouve, alors... Vous deux, vous restez ici et vous ne bougez pas, hein? Excusez-moi. J'ai une question. Vous voulez prendre un bateau, belle señorita? Non, pas du tout. En fait, je cherche des amis à moi. 5 jeunes femmes qui seraient parties en pique-nique. Hier, elles ont loué une barque pour visiter les îles des environs. 5 filles, ça ne passe pas. Señorita, pour favor. J'ai vu vos amis. Où ça? Elles sont parties sur la barque de Santiago. La Bonita. Et par là-bas. Gracias. Bonjour. Santiago? Si. Je recherche des amis à moi. 5 jeunes femmes qui ont loué votre barque hier. Elles emportaient des affaires de pique-nique. Et ces hommes m'ont dit que vous les avez emmenées. Yo hablo español. 5 mujeres ayer en su barco. Señor. Por favor. No estaba mi barco. C'est toi qui étais en train de rire? De rire? Non.
Je plaisante pas, c'était vraiment bizarre. Suis-moi, j'ai quelque chose à te montrer. Me montrer quoi? Viens. Quoi? Regarde. C'est Linette. Oh mon Dieu. Et regarde. On dirait que c'est les mêmes empreintes. Oh mon Dieu. Pourquoi est-ce que Linette serait venue jusqu'ici dans le noir? Ah, t'as entendu là? Mais qui ça peut être? Et d'où est-ce que ça peut venir? Je pense qu'il ment. Ah. Et pourquoi ferait-il ça? L'un des autres pêcheurs a vu mes amis embarquer sur son bateau. Très bien. Laissons-leur encore deux heures. Et pourquoi deux heures? C'est ridicule, je peux pas accepter ça. Ce que je veux, c'est appeler la police. Allons jeter un coup d'œil dans leur chambre. Hé! Hey! Vous avez entendu? Entendu quoi? De quoi tu parles? Une femme en train de rire. Comment ça, une femme? Il y a une femme maintenant? Près de la maison, alors qu'on cherchait Linette, on a entendu des éclats de rire. Vous cherchez quoi? À nous foutre encore plus la trouille? Et vous avez rien trouvé dans la maison? Sur un arbre, il y avait ça. Waouh, hey, mais c'est à Linette! Et il y avait des empreintes de pas qui partaient du même endroit. Les empreintes de Linette? Non, il y a quelqu'un d'autre sur cette île. Ou peut-être plusieurs personnes. Oh, on nage en plein cauchemar, alors c'est quoi la solution? Écoutez, j'ai une idée. Retournons à l'endroit où on a débarqué pour voir s'il y a d'autres bateaux. Ça veut dire qu'il faut qu'on retraverse cette jungle? Si on reste ensemble, on ne risque rien. Et si c'était un dingue, Karina, avec un couteau ou une machette? On n'est pas plus en sécurité ici. Regan, elle a raison. Cette jungle me fait trop peur. À un moment donné, faut arrêter de parler et agir. On y va. Nicole! Quoi? Il faut qu'on reste ensemble. Alors tu passes devant et on t'emboîte le pas. D'accord. Viens. Regan, bouge-toi! Oh. Culotte comestible. Il s'agit d'affaires personnelles, il me semble. Je peux très bien chercher seule, vous savez. Bien. David Stenner, producteur. David Stenner, je ne suis pas disponible pour le moment. Merci de laisser un message. Oui, bonjour. Mon nom est Daniel Sanders. J'ai trouvé votre carte de visite dans le sac de mon amie Isabelle. Et je souhaiterais vous poser une question. S'il vous est possible de me rappeler à ce numéro, je vous en serais reconnaissante. Merci. Mais si on rend pas les chambres demain, les gens de l'hôtel vont bien remarquer notre absence. Oui, mais ils ne savent pas à quel endroit nous chercher. Quand il verra que Linette n'est pas à l'aéroport, Tim va s'affoler. Tout comme ça, mais mes parents, tu peux être sûr qu'ils vont paniquer. Lundi, au boulot, tout le monde verra bien qu'on n'est pas là. Et toi, tu manqueras sûrement à un de tes chéris. Hein? Non! Non! C'est bon, Regan. Tu ferais mieux de nous dire ce qui cloche. Je suis un peu gênée. J'aurais voulu te dire ça plus tôt, Karina. Quoi? Voilà, je sors avec Anthony. Quoi? L'ex de Karina, le fou qui la filait dans la rue? Je croyais qu'il en avait après nous parce qu'on avait poussé à la rupture. Ouais. Moi aussi, je suis tombée sur lui dans un club tout à fait par hasard. Et le lendemain, il m'a appelée pour qu'on parle et il m'a invitée à déjeuner. On a parlé. Karina, je t'ai tout dit. Je t'en prie, ne me déteste pas. Karina... Te détester? Non, mais pourquoi je te détesterais? Je pense surtout qu'il faut que tu fasses très attention. Vraiment que tu saches à quel genre d'individu tu as affaire. Non, je t'assure qu'il a changé. Tu peux pas savoir à quel point il est différent. Écoute, je vais te dire. On en discutera plus tard, d'accord? On a des problèmes bien plus urgents à régler. Oui, sortir vivante de cette île.
La prochaine fois qu'il y aura un plan île déserte, ce sera non merci. Regardez, un bateau. Non, arrêtez, c'est bon, on est trop loin, il peut pas nous entendre. Mais pourquoi on se rapproche pas? On a qu'à courir. Il faut savoir par où on passe. Tout droit vers la plage, venez. Attends, Nicole. Nicole, attends-nous. Où est passé ce bateau? Nicole! 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 Commissariat, j'écoute. Bonjour, est-ce que je pourrais parler à la personne qui s'occupe des cas de disparition? Ouais, je vous demande un instant. Merci, j'attends. Ouais, c'est occupé. Ah. Vous voulez les homicides? Les homicides? Grand Dieu, j'espère que non. Oui, attendez, finalement, je vais leur parler. Je vous transfère. Merci. Je vais vous dire exactement ce qui s'est passé. Prends sa déposition. Bonjour, inspecteur en chef Radimus, je vous écoute. Voilà, je m'appelle Danielle Sanders. Je suis américaine et... Mes amies ont disparu. Vous pouvez m'expliquer? Elles sont venues à 5 pour un enterrement de vie de jeune fille. De vie de jeune fille, oui. Je suis venue les rejoindre un jour plus tard, mais... Quand je suis arrivée, elles étaient parties. Elles n'ont pas dormi à l'hôtel. Toutes leurs affaires et objets de valeur sont restés dans leur chambre et... Et je suis à peu près sûre qu'elles ont loué un bateau hier pour aller visiter une autre île. Vous savez quel bateau? Oui, la Bonita. Mais le capitaine, un homme du nom de Santiago, refuse de reconnaître qu'il les a embarquées et je trouve ça vraiment très suspect. Daniel? Anthony? Qu'est-ce que tu fais ici? Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas au courant? Mais au courant de quoi? Écoute, attends un instant. Je suis désolée, inspecteur. Oui. Quelque chose d'imprévu, je vous rappelle. Merci. Vous savez d'où elle appelait? Ouais, du Ventana del Caribe. Et pourquoi Regan n'a rien dit à Karina? Elle a pensé que ça lui ferait de la peine. C'est... Je pense pas que ce soit ça. Écoute, Sam est vraiment quelqu'un de bien. À ce qui paraît, oui. Ouais. Écoute, ça fait 24 heures que je suis sans nouvelles de Regan. Et comme tu le sais, quand elle dit qu'elle va appeler, elle appelle. C'est pour ça que j'ai sauté dans mon avion pour venir ici. Ouais. Tu n'as pas la moindre idée de l'endroit où elle pourrait être? Ah, qui c'est qui a eu l'idée merveilleuse de venir ici? Ouais, on était toutes d'accord pour venir s'éclater. Ah, ça, pour s'éclater, on s'éclate. C'est moi qui ai eu l'idée de venir dans les Caraïbes. On aurait dû louer un hôtel dans le sud, c'est tout. On aurait eu une plage pour nous toutes seules. On aurait pu boire à longueur de journée. Dis donc, si je me souviens bien, il me semble que c'était toi la plus emballée à l'idée d'un week-end entre filles à San Carlos. Ah, alors c'est ma faute.
Ok, en tout cas, c'est quand même toi qui as loué le bateau pour venir dans cette île. Quand je pense qu'on devrait être dans un spa à longueur de journée au lieu de moisir ici. On n'a pas tout un petit ami friqué pour nous offrir ce luxe. Ah, ça c'est vraiment vache comme réflexion, Isabelle. Oh, ça suffit maintenant, arrêtez, s'il vous plaît. C'est ma faute, d'accord? C'est moi qui ai voulu venir, pas vrai? Et maintenant, on est ici et deux de mes meilleurs amis ont complètement disparu. Karina, non, c'est ridicule, on arrête. On arrête, on est désolé. On est désolé. Je suis sûre qu'on va les retrouver. Écoutez, on dirait Lynette. Lynette! Mais où est-ce que tu es? Non, c'est enregistré. Ça vient d'un peu partout à la fois. C'est à devenir dingue. Ça va. Retournons à la plage. Attendez! Quelqu'un fait ça pour nous effrayer. Ouais, bah ça marche. Ouais. On y va. Viens. Je sais que c'est ici qu'elles ont pris le bateau. T'en fais pas, on va les trouver. Au fait, Daniel, je sais que c'est peut-être pas le bon moment, mais... je voulais que tu saches que... écoute, je suis conscient que ça s'est mal passé à la fin de ma relation avec Karina. Oui, et après aussi. Oui, j'ai déconné, je le reconnais. Anthony, ça ne change absolument rien. Ça, je le sais. Mais... écoute, il faut que tu saches que j'ai suivi une thérapie et j'ai vraiment réglé pas mal de problèmes. Je suis plus du tout le même, je t'assure. D'accord. Ouais. Tu le vois? Non, il est pas là. Où est parti Santiago? C'est vous qui m'avez dit qu'il avait emmené mes amis. Quand vous avez tourné le dos, le Santiago, il a démarré son moteur, il a filé. Où est-ce qu'il est allé? Si des filles avaient envie d'explorer une de ces îles, ce serait laquelle? Isla del Condado, Isla del Raton y Mujer de las Cuevas. Vous pourriez nous marquer ça sur une carte? Vous voulez louer un bateau, seigneur? Non, je veux acheter votre bateau. Quoi? Attends, elles ont des ennuis, je veux les retrouver. Et alors tu vas acheter son on bateau? On n'a pas le temps de faire dans le détail, les filles sont en danger. Combien, seigneur, combien? Prenez tout. Ouais, mais attention, je veux une carte de navigation, une paire de jumelles correctes et surtout un porte-voix. Le son venait de haut-parleurs. Si on peut en trouver un, on va suivre le fil et retrouver la source. Et puis après? Eh ben, peut-être que ça va nous mener à Lynette et à Nicole. Elles doivent bien être quelque part sur cette île. C'était pas là, ça? Quoi? Ça. Je crois qu'on devrait l'ouvrir. Non! Mais si, laisse-la. Ça peut nous aider à comprendre ce qui se passe. Oh, mon Dieu. Quoi? Quoi? Dieu, regardez! Assez. Assez, c'est trop vrai. Vous êtes où tous? Montrez-vous, qui que vous soyez! Regan, on avait dit... Isabelle, je suis plus d'accord. Plus d'accord avec quoi, Regan? Tu as vu ces photos? Tu crois qu'elles jouent la comédie? Nous avons un engagement. Ça concerne surtout Karina. Qu'est-ce qui me concerne? Regan. Eh oh! Je peux savoir ce qui se passe. Calme-toi, Regan, on va en j'abandonne. Parler, ça va... J'abandonne. J'arrive pas à croire qu'on puisse être aussi trouillade que toi. Eh, vous allez enfin m'expliquer. On l'a fait pour toi. Fais quoi pour moi? L'épisode pilote de Célibataire en Enfer. Il nous a dit, c'est de la télé-réalité avec des jolies filles, du suspense et un peu d'épouvante. Arrêtez. Est-ce que vous pouvez être un peu plus clair? Il y a à peu près un mois, j'ai eu un coup de fil d'un studio. C'était ce type, là, David Stenner, producteur de télé-réalité. Une chaîne câblée l'a engagé pour produire une série et il a entendu parler de notre escapade entre célibataires. Tu parles si c'est une série? Où sont les caméras alors, hein? Et où sont tous les micros? Regan, il a dit qu'ils seraient cachés et qu'on les verrait pas. Tu as aperçu un caméraman dans la jungle. Et t'as vu sa caméra? Non!
Vous me dites que tout ça, c'est de la fiction? Que c'est juste de la télévision? Tout ce truc est écrit à l'avance. La fameuse légende, la barque qui ne revient pas nous chercher. Le fait qu'on soit bloqué sur l'île. Franchement, je croyais que ce serait bien pour ma carrière, mais là, ça devient trop réel. On nous avait prévenu qu'il y aurait des aventures terribles. Non, Karina, je te le promets, nous ne sommes pas vraiment en danger. Ouais, moi je trouve ça bizarre. D'accord. Où avez-vous rencontré ce David Stenner? On l'a toutes rencontré à Miami et on a signé des contrats. Regan, toi aussi tu as signé. Karina doit même toucher 250 000 dollars, mais comment savoir si tout ça est vrai? Parce qu'il nous a montré l'argent. On devait vous le donner à Sam et à toi au mariage. Alors ça veut dire que Lynette et Nicole n'ont rien à craindre? Ah, leur disparition fait partie du scénario. On est censé disparaître, nous aussi. Ah oui, alors on va toutes retourner à notre hôtel, sortir le champagne et célébrer l'affaire, c'est ça? Hein? Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Et pourquoi personne ne s'occupe de nous alors? Mais parce que peut-être qu'on n'est plus dans le champ. Et quoi? On continue à jouer le jeu. Laisse tomber, Isabelle. Ça y est, elle est au courant. Quel est l'intérêt? 250 000 dollars à prendre. Ouais, je croirai à ça quand je verrai Lynette et Nicole sortir de cette jungle. Où est-ce qu'on va? La Isla del Ratón? Je pensais que c'était la première île. T'es d'accord c'est avec voilà. Ça? Ouais, ouais. Je perds mon signal. Comment elle tient? Tu le perds déjà, mais comment ça se fait? Je sais pas, j'ai plus rien. J'étais sûre que tu m'en voudrais à mort, mais je suis désolée. C'est vrai, je suis désolée. J'ai pensé que tu nous pardonnerais après avoir eu l'argent. Mais quel argent? On n'a pas besoin d'argent. Karina, tu pourrais quitter ton appartement et acheter une maison. J'aime notre appartement et j'aime notre vie. Tout va très bien. Et en ce qui concerne Sam, il va avoir du succès. J'en suis certaine. On voulait juste que tu sois heureuse. Je suis parfaitement heureuse. Attends. Ne me dis pas que Danielle est dans le coup, elle aussi. Non. Je savais dès le début qu'elle ne pourrait pas venir nous rejoindre. Mais ce David nous a dit que si tu étais mise au courant, le contrat allait tomber à l'eau. Karina, l'important, c'est que tu saches que nos intentions étaient bonnes. Tu le sais, n'est-ce pas? Bien sûr. Mais je me sens trahie quand même. D'accord. Alors maintenant qu'on est là, qu'est-ce qui est censé nous arriver? Où est le scénario? C'est quoi le film? J'en sais rien du tout. Attendez! On a toutes reçu ces plans. On est censé aller jusqu'à cette base. Et là, il faut suivre un chemin caché qui mène à une caverne. Tu te fiches plus de moi, là? On est dans la réalité. Ouais. Allons retrouver nos amis. J'espère. Regan! Karina! Isabelle! Lynette! Allons dans la prochaine île. Qu'est-ce qui vous a fait croire que ce David Stenner était honnête? Il nous a montré ses films, les autres séries qu'il a produites, et aussi des diapositives magnifiques de cette île. Et puis il a pris des photos de nous, à des fins promotionnelles. Ouais, et ben moi je crois que tout ça c'est une escroquerie. Mais pourquoi? Pourquoi tu crois que quelqu'un aurait l'idée de nous faire venir jusqu'ici alors? Oh mais enfin Isabelle, 5 jeunes femmes totalement seules au milieu de nulle part, sans aucune défense, c'est un vrai cadeau. On trouve cette base. Ça doit être plus loin par là. Les filles. Et si c'était un piège? Arrête, on est dans la télé-réalité. Tiens, c'est là. Ouais. Ouais, c'est bien là. Et une seconde, attendez. Et si ce David Stenner était un vrai violeur ou un tueur? Allez, on entre. Non, les filles, moi je rentre pas dans ce truc. T'as signé le contrat, Regan. D'accord, on était censé arriver jusqu'ici, donc on va jusqu'au bout. Compris? C'est plutôt noir là-dedans. On dirait un train fantôme. T'as ton briquet? Tiens. Merci. Nicole?
Bonjour, inspecteur. En quoi puis-je vous aider? Bon, une de vos clientes, une jeune femme, a appelé le commissariat pour signaler que plusieurs de ses amis avaient probablement disparu. Oh, c'est un peu une exagération. Vous savez où elles sont? Non, mais c'est impossible. Alors, elles ont disparu. Et vous avez intérêt à me dire tout ce que vous savez. Oui. Karina! Isabelle! Lynette! Regan! Isabelle! Ouais, c'est bien. Continue comme ça. T'arrête pas. Elles vont nous entendre. Ça doit être là. Alors? Où est l'équipe? Où sont les producteurs? Les techniciens? Et ça, c'est quoi? Oh mon Dieu. Ce sont les photos qu'il a prises. C'est quoi toutes ces mouches? Il y a une odeur terrible par ici. Regardez. Qu'est-ce que c'est? Continue, abandonne pas. S'il te plaît, appelle-les encore. Tu vois bien qu'elles sont pas là. Continue, Daniel. C'est pas vrai. Peut-être qu'il y a une autre sortie. On essaye. Je vais pas crever ici. Moi non plus. Quelque chose a mal tourné, je t'assure. Ça ne peut vraiment pas se passer comme ça. Je sais, c'est affreux. Mais on va pas mourir dans ce trou à rats. Il faut trouver un moyen de sortir. Maintenant. Allez. On y va, les filles. Calme-toi, Regan. Ça doit mener quelque part. Venez. Et si on retrouve Nicole morte, elle aussi? Pourquoi? Pourquoi est-ce que quelqu'un nous veut du mal? Oh mon Dieu, il n'y a pas d'issue. On va mourir dans ce trou! Qu'est-ce qu'on fait? Je réfléchis. Pourquoi on nous fait ça à nous? On n'a rien fait de mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Regan, je t'en supplie. Il faut te calmer. Nous sommes toutes terrorisées. Mais si nous voulons sortir, il faut rester calme. Il y a quelqu'un qui nous attend de l'autre côté. Je sais, oui. Et il attend que nous sortions pour pouvoir nous attraper. Et s'il vient de nous attraper ici? On va le recevoir comme il faut. Regarde! C'est peut-être elle.
Monsieur, inspecteur Radimus, police de l'île. Avez-vous vu un groupe de jeunes femmes prendre un bateau pour aller explorer les îles? Bon, vous connaissez Santiago? Pendant ce temps-là, continue de les appeler. Isabelle! Karina! Regan! Répondez! Là, ils sont là! Tenez! Vite, au premier! Allez, on monte, courez! Et maintenant? Karina! Isabelle! Vous entendez? J'y vais, continue de les appeler. Où êtes-vous? Où tu vas? Je vais les chercher. Je viens avec toi. Non! Et si on tombe sur un dingue? C'est bien pour ça que mais je veux venir avec toi. Mais non, on a besoin de ce bateau pour filer Anthony, d'ici. Il faut que tu restes pour le surveiller. D'accord. Continue de les appeler, ça m'aidera à les repérer. Les filles, où êtes-vous? On vient vous aider! Karina! On vient nous sauver! Il faut absolument les rejoindre. Mais il attend que ça, il nous guette, il nous guette. Je l'attache en restant ici. Karina, je t'en supplie, m'abandonne. Je ne vais pas t'abandonner, on va rester ensemble. Isabelle, l'une d'entre nous doit aller jusqu'à la plage. Il n'existe qu'un seul chemin et il le connaît. C'est ma faute si on est là. Non, c'est pas ta faute. C'est moi qui vous ai entraîné dans cette folie. Non, Isa, c'est pas ça que tu cherchais. Tu entends ce que je te dis? Je sais que c'est à moi d'essayer. Non! On ne peut pas laisser Regan. T'as qu'à rester avec elle. Je vais aller chercher de l'aide et je te jure que je vais revenir. Non, je t'en prie, prends pas ce risque. Isabelle! Non! Isabelle! Non! Isabelle! Allez, dépêche-toi, lâche-le, je te dis. Inès! Non, je ne veux pas mourir. Non! Il faut plus crier. Chut.
et tu vas attirer son attention. Non, je veux pas y aller. S'il le faut. Parce que moi, je serai là, et quand il va arriver, alors moi, je surgirai derrière lui. Tu as compris? Non. Ma puce, tu peux y arriver. Tu es forte, je sais. Tu dois le faire. Je sais que je vais craquer. Regan, tu as confiance en moi. Très bien. Alors continue à avoir confiance. Je ne laisserai pas te faire de mal. Tu me crois? Très bien, tu peux y arriver. Vas-y. Ça y est. Ça y est. Ferme-la! Fais ce que je te dis et tout ira bien. Toi, jette le couteau! Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Lâche le couteau! C'est bon, nous on bouge. Entrez là, dépêchez-vous. Pitié! Vous entrez là-dedans ou je vous descends immédiatement! Ça va, c'est bon, on y va! Allez, maniez-vous! Et plus vite que ça! Allez jusqu'au fond, allez! Karina! Assieds-toi! Assieds-toi, je te dis! Voyons voir. C'est quoi ça? Non! Rendez-le-moi! Notre amour ne s'éteindra jamais. Pourquoi vous faites ça? Vous avez travaillé dur pour monter ce piège et vous ne nous connaissez même pas? Pourquoi vous avez tué mes amis? Tu sais pas ce qu'on dit des enterrements de vie de jeune fille? Regarde ça. Qu'elles sont bonnes pour l'enfer! Ouais. Tu saisis? Tu saisis? Oui! J'appuierai sur la gâchette et vous n'aurez plus jamais peur. Chérie, tout va bien. Dépêche-toi, Anthony! Il t'a pas fait de mal, au moins. Non, ça va aller. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Il est venu à cause de moi, hein, Anthony? Oui, j'aurais voulu arriver plus tôt. Écoutez, on parlera de ça plus tard. La nuit va tomber, il faut qu'on y aille. Tu m'as sauvé la vie! Anthony. Karina, qu'est-ce que tu fais? C'est toi. Je sais que c'est toi. C'est toi qui es derrière tout ça.
Pose cette arme, Karina, je t'en prie. Qu'est-ce qui te prend? Tu peux nous expliquer? Mais enfin, Karina, sans Anthony, je ne vous aurais jamais retrouvée. Vous voyez la différence entre les photos? La mienne et les autres? La mienne a été prise il y a quelques années, par Anthony. Daniel, dis-lui quelque chose. Karina, je comprends que tu sois sur les nerfs, mais il faut vraiment sortir d'ici. Allez, on bouge! Non! Tu devrais poser ce flingue, ou tu vas finir par blesser quelqu'un. Tu as tué mes amis. Daniel, défends-moi, enfin! Tu te souviens comment il m'a harcelé après notre rupture? Je t'ai pas dit la moitié de ce qu'il m'a fait, ça t'aurait dégoûté. Mais... C'est vrai, mais j'ai changé. Oui, les gens peuvent changer, Karina. Mais Karina, Anthony nous a sauvé la vie. Exactement. Non! C'est Daniel qui t'a sauvé la vie. Toi, je te connais. Tout ce gâchis n'a aucun sens si tu n'es pas derrière. Et ce type qui est mort, là? Mais enfin, c'est qui? C'est l'homme qui a tué nos amis, tu le sais, Karina, tu le sais. Non, non, tu te trompes. Anthony, ton père travaille pour la mafia. T'as engagé un tueur. Combien tu l'as payé? Non. Il est déprimé, non. Qui s'échappe, hein, c'est ça? Mais vous voyez pas qu'elle devient dingue? Elle divague à cause du choc émotionnel. T'as vraiment cru que si tu me sauvais, j'aurais envie de revenir vers toi? Oh, Karina, tu fais une crise de nerfs, je t'en prie, pose ce flingue! À qui il a reproché notre séparation? Lynette? Isabelle? Daniel? Et même toi? C'était il y a 2 ans, il a beaucoup changé. Il est devenu différent, je te le jure. Non. Anthony peut avoir tout ce qu'il désire au monde, à part moi. La meilleure chose à faire maintenant, c'est de sauter dans ce bateau et de rentrer avant la oui. nuit. Oui, oh oui, oui. Les 3 filles vont sur le bateau. Mais toi, tu restes ici. Karina, tu te maries la semaine prochaine. Pose non. cette arme. Regan, on va faire exactement comme elle a dit et on enverra la police pour venir le chercher. Daniel, tu te retournes contre moi? C'est moi qui t'ai amené ici! Je connais Karina depuis toujours et j'ai confiance en elle. S'il y a une erreur, la police s'en occupera. Mais vous êtes dingue! Je me casse d'ici! Tu as tué mes amis! Karina, je comprends pas ce que tu fais. Je t'en prie. Je t'en prie! Écoutez, j'ai rien à voir dans cette histoire. Nous partons, et toi tu restes. Laisse-nous passer, Anthony. Bouge, je t'ai dit! Je reste avec Anthony. Regan, ne fais pas l'idiote! Il te manipule! Tu viens avec nous! Non, je viens pas! Tu es sérieuse? On ne te laissera pas avec lui, Regan, c'est trop risqué! Regan, viens avec nous! Allons! Non, je reste avec non, lui! Non, on ne te laisse pas ici! Non. Viens! Viens avec nous! Regan! Il ne me fera jamais de mal! On va prévenir la police. Allons-y. Tu oublies le petit poème de Samy, non? T'occupe pas de ce dingue, garde ton calme, on s'en va! Pas de bêtises, Karina, on s'en va, viens! Pourquoi t'as fait ça? Pas laisser Regan avec Anthony. On ne peut pas la forcer à venir avec nous. S'il est violent avec elle, je ne me le pardonnerai jamais. J'ai promis de ne pas l'abandonner. Le numéro de la police est programmé dans mon téléphone. On les appelle dès qu'on est de retour à San Carlos. Écoute, il n'y a rien d'autre à faire pour le moment, tu comprends? D'accord? Alors viens! Viens! Ou je lui coupe la gorge. Attends. Sortez du bateau et venez ici. Laissez le flingue dans le bateau. Ferme-la, toi. On arrive, Regan. On arrive. Ça aurait pu être si merveilleux. Lâche-la. Je ne te laisserai pas épouser quelqu'un d'autre. Je ferai tout ce qu'il faut pour empêcher ça. Anthony, t'es cinglé.
Il faut te faire soigner. C'est plutôt toi qui as intérêt à retrouver tes repères. Tu me donnes envie de vomir. Non, tu m'aimes. Non. J'aime Sam. Sans tes copines, on serait toujours ensemble. Tout ça, c'est leur faute. Tu m'as utilisé pour revenir vers elle. C'est un manipulateur. Il ment constamment pour obtenir ce qu'il veut. T'es qu'un sale gosse de riche. Un minable. Et en plus, t'es taré. C'est l'amour qui m'a rendu taré. Ta copine a raison. Partons vite. Allez, viens, dépêche-toi. Tout va bien. C'est bon, ça va aller.